Bonjour, c'est Tiff. Cela fait un petit bout de temps que nous n'avons pas fait de nouveaux meubles. Et pour cause, il fallait passer le niveau 50 et il commence à demander beaucoup de ressources. Nous passons au niveau supérieur. Voyons cela ensemble avec la fonderie améliorée et puis faisons un point sur notre progression. Il nous faut 20 poles de chêne. 20 blocs de pierre, 20 plaques de fer, 20 anneaux, 20 câbles. 20 chaînes, 20 chaînes. Ça utilise un peu notre stock. 20 chaînes. Cela n'a pas changé, on apprend la méthode et on crée. La fonderie améliorée, j'assimile, je crée. Nous pouvons en placer deux dans notre base, mais cette fois-ci, nous allons en faire qu'une seule, par manque de ressources et aussi parce que nous n'aurons pas besoin de la seconde avant un bon moment. Cette dernière sera utile quand nous devrons faire des lingots d'alliage. J'ai prévu l'emplacement pour les deux dans la continuité des autres feux. Mode construction, onglet meuble, on l'a ici et on la pose. On l'oriente et voilà. Sa principale fonction sera de nous faire ces fameux lingots d'acier. Il faut déjà avant avoir fondu du minerai de cuivre pour avoir des barres, également de la bauxite pour obtenir des barres d'aluminium. C'est du temps car il faut 30 minutes pour chaque barre. Il nous faut aussi des barres de fer et du charbon, à la fois en matière première et en combustible. Une fois que l'on a tout, c'est 1 heure par barre d'acier. Je vais boire. Toujours directement dans le puits hein. Et on remet. Donc j'ai 2 barres, donc dans ces cas là c'est pas la peine que je prenne plus, je vais aussi en prendre 2. Voilà. Je vais me remettre de l'acier à. Donc il me faut 6 charbons, 18 après. Je mets ma matière première, je mets mon combustible, il m'a fini le précédent et je remets ma matière première pour compléter. J'ai oublié qu'il me faut aussi du charbon pour en matière première. Et il me faut du fer. Du fer, bah j'en ai 10, c'est bon. Des barres de fer.
je mets mes lingots, je mets mon fer, je mets et je finis par ma matière, par mon combustible. Une fois que l'on a tout, c'est une heure par barre d'acier. Nous avons, grâce à la vidéo sur le combustible, que 20 charbons durent un peu plus de 2 heures et 13 minutes. Pour mes 2 heures, il me faut 10 charbons et 3 quarts en mettant 18. La dernière barre ne sera pas finie, mais il n'y a pas d'urgence. Elle se finira quand j'aurai plus de cuivre. Maintenant, il faut farmer du cuivre et de la bauxite pour faire ces barres d'acier. Il nous en faut au moins 30 pour nos prochains ateliers, plus des plaques d'acier si l'on souhaite réparer nos tenues blindées. Le prochain atelier, ça sera celui qui est à côté. Non, ce sera celui d'après, pardon, qui est la table de réparation. On aura un peu en allant chercher du minerai de fer en zone rouge. Il sera intéressant de faire aussi le camp derrière la loi, puis d'ouvrir les zones de neige, mais sans se précipiter. Cela nous serait fatal. Pour celle-ci, il nous faudra plus d'équipement, des arbres, du soin et ou de la nourriture. Nous allons trouver tout cela en zone rouge. On en profitera pour prendre aussi les chênes qui traînent. Du chêne, on va en avoir besoin. Comme vous le voyez, pour le prochain atelier, il en faut 20. Multiplié par 2, cela fait 40. De plus, ces ateliers se posent sur un sol niveau 3. Et pour faire un sol niveau 3, il faut que je passe en mode construction, il nous faut 10 planches de chêne en plus par sol. Cela nous fait un total de 60 planches de chêne. À ce stade, nous pourrons commencer les épreuves du canyon et celles-ci, en étant raisonnables, pourront être rentables. Peut-être aussi essayer la gaufre aux esprits, plus pour le fun car j'ai un doute sur la rentabilité. Ou alors, il faut attendre la prochaine mise à jour car les devs annoncent plus de butins dans les coffres. Je vais manger. Nous devons penser aussi à sécuriser notre base. Il n'y a pas encore d'urgence, mais avec l'attaque des bandits annoncée lors du dernier Dev Our, il devient utile de monter nos murs au moins niveau 3. Comme vous le constatez, nous avons de longues heures de farm devant nous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes. Pensez également à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et j'aime bien aussi les pouces bleus. Je vous dis bon jeu et à bientôt.